Bonjour, bonsoir tout le monde. Je connais un pile fanatique chaîne ça qui est content aujourd'hui hein, parce que nous allons présenter une recette depuis quelques temps que nous avons demandé, c'est crêpe salée. Alors nous allons présenter aujourd'hui une crêpe avec déclinaison jambon fromage. En pile monde découvrir recette ça en Haïti grâce à ma fond publicité gratis Epidor. Et puis bon, moi-même tout me découvrir tout en Haïti. Et grâce à Epidor, donc nous allons faire exactement recette jambon fromage crêpe là et recette Epidor qu'on vend en général. Donc je connais un pile monde qui content qui excité pour recette ça qui t'attend recette ça. Et ben je dis à nous allons présenter sous chaîne Gaspard Dorinien. Si pas de quoi abonner, c'est Kounia pour faire ça. Sous pour qu'on like et vidéo comme si vous voulez, il y a raison pour like les Kounia là. OK? Et puis à pas oublier mener l'autre monde vient abonner. Mener l'autre monde abonner tout à chaîne caméraman nous Kala Leona. On a regardé ensemble ingrédients avec outils n'a besoin pour réaliser crêpe salée jambon fromage. Salée jambon fromage là mais ensemble ingrédients ou a besoin yo. Premier bagage ou a besoin pour faire crêpe là, pour faire surtout pâte à crêpe là, ou a besoin 250 g pour recette ça, 250 g farine France, farine blanc. Ou a besoin 2 ml en lait ou bien 500 ml. Ou a besoin 3 œufs, un demi tiki sel. Comme moi même pas consommer sucre, ajouter sucre en grain granulé ou bien sucre raffiné, m'a ajouté miel dans place li. Donc mettez là une cuillère miel. Pour garnir crêpe nous on a besoin premièrement en sauce béchamel. Sauce béchamel nous fait déjà, nous réaliser déjà sous chaîne là, ou mettre à chercher comment pour réaliser sauce béchamel là. Sauf que sauce béchamel ça nous te refait, nous ajouter oignon, nous te frémi un petit oignon dans beurre et puis ensuite nous t'ajouter crème béchamel nous te réaliser déjà l'enta préparé pour crêpe là. Comme c'est une crêpe jambon fromage n'a pas réalisé, nous besoin fromage. Là nous gagnons 6 tranches fromage d'Inde que nous coupons en petits carrés. Et puis pour fromage, nous gagnons une tasse mozzarella sous vlo qui utilise n'importe l'autre fromage tant coup emmental, tant coup cheddar et ou bien jack etc. Tout dépend de goût ou bien tout dépend de fromage ou joine. Là moi même c'est mozzarella me gagner, nous gagner une tasse mozzarella. C'est ensemble ingrédients ça yo n'a besoin pour nous réaliser crêpe jambon fromage noir. OK, nous pour commencer par préparer pâte à crêpe là. Alors, ce qu'on fait tout d'abord, c'est un puits au milieu de la farine. On ajoute le sel. On mélange le sel avec la farine. OK. Maintenant, si on avait du sucre en grain, on aurait ajouté le sucre, mais bon, comme c'est du miel qu'on a. Parce que moi, je ne mange pas avant le 1er septembre du sucre granulé ou bien du sucre raffiné. J'utilise du miel à la place. On va ajouter les œufs. Dans ce sens, la spatule est très utile pour décrasser un bol ou bien récipient où on mettait ingrédients.
Ouais, spatule là, nettoyer complètement. Ok, maintenant, on va mélanger. On ramène de la farine sur le côté au milieu et on dilue. On mélange avec le fouet. On ajoute de l'huile aussi, c'est de l'huile de tournesol. Si vous avez l'huile de tournesol, vous pouvez mettre l'huile d'olive ou l'autre huile végétale. Ou bien, si vous n'avez pas l'huile là, vous pouvez mettre fond de beurre et puis vous mettez dans le patois. Parce que nous avons commencé à ajouter lait noir. Songez pour cette ça, nous avons utilisé 500 ml lait. Bien 2000 litres lettres. On doit battre la pâte pour éviter les grumeaux, la formation des grumeaux. Donc, il faut battre constamment jusqu'à ce que il y ait une consistance dans la pâte là, et puis on va jouer avec un grumeau, avec une boule là-dedans. Il faut battre vigoureusement. Ok, là, on va essayer la pâte noire pour gagner un grumeau. Les prêts. Ok. Maintenant, on va quitter pâte ça. On va le filmer pâte là. Filmer avec dit et on va le mettre sous lit. Yon film alimentaire ou bien ça oui plastique si vous voulez. Recouvrir. On va laisser notre pâte à crêpes se reposer pendant une trentaine de minutes au frais dans le frigo. Après les 30 minutes passées au frais, notre pâte est prête. On va continuer la recette maintenant. Mais nous-mêmes, si une batte fait sauce béchamel là, donc pendant la pâte là d'après poser, il faut préparer sauce béchamel. Là. Ok, nous te mettons casserole nous. À chauffer, qu'on a nous juste pas mettre un petit beurre sur un papier absorbant et puis nous va juste passer OK dans pain noir. Alors, mon conseil d'utiliser un non-stick pan, ça veut dire un poêle. Ça veut dire un poêle qui pas collé, l'on ajouter bagage là-dedans n'est pas collé. OK, avec un louche, nous prend pépate. Et puis nous mettons pâte là. On va assurer que pâte là étend sur tout corps. Maintenant, si nous va gagner une crêpière ou bien un poil qui fait spécialement pour crêpe, un poil à crêpe. OK. N'a quitter là pendant une minute à feu moyen qu'on ouais contour sec OK avec un spatule comme nous un wagon spatule on peut utiliser un cuillère plate yo. OK on découle elle. Et puis, on change le bord. Voilà. On a quitté là encore une minute et demie maximum. Et puis ensuite, on va le mettre un deuxième. OK, on a retiré le gounia là. Pour faire l'autre crêpe, c'est le même processus là. C'est engraisser
pendant ouais pour elle là et puis ensuite ajouter pâte et pour finir. Maintenant nous allons exécuter garniture yon crêpe là. Nous allons faire nous allons garnir yon crêpe kounya là avec jambon fromage et puis sauce béchamel là. Pour empêcher le couler, nous passons le beurre quand même. Ensuite nous mettons. On a ajouté sauce béchamel là, juste étendre ni sous lit. Et puis on a ajouté jambon yo. Ensuite on a ajouté fromage là, fromage râpé. N'a pas que ça c'est fromage mozzarella, sous tes vlots, t'as mis parmesan, ou t'as mis cheddar, emmental, ou bien jack, ou bien n'importe l'autre fromage où t'es joint. Ou plier boyo. Ok, on va juste prendre, mettre le nasset, on va le servir là. Et puis, on va couper le jambon et puis on va couper là. Voilà, ça c'est un genre qu'a présenté les crêpes là. Je vais ajouter tout ça, Lily. Je vais avoir le fromage. Oubliez le fromage là. En bon. Ok. Bon, là, il faudrait prendre les sachets. Non, non, qui est pour. Tu vas acheter un petit peu de la sauce pizza. Ah, ok, donc on va ajouter sauce pizza à la bien. Yes, sir. Donc son l'autre est... On va faire la, la net. Ah, un autre fromage encore. C'est fini, il va venir. Yeah. Vite, il va venir. Ok, ouais. Attends, trop encore. C'est pas joli. Ok.
rajouter qu'on y a là. Qu'est-ce qu'on va rajouter là? Ah, un petit peu de macarène. Ok. Bon. Après, on va regarder bon. Oui. Prends l'autre bois, venez. Présent, et puis prends l'autre bois. Pourquoi vous avez pas là? Promesse c'est d'être jodi a nous ba ou crêpe salée jambon fromage là et j'ai nous sous toile là on prend caméra maintenant décider sémenter c'est lick pour faire crêpe pal là on bon donc nous sous toile comment nous dégager là pour faire crêpe pal là pour côté li on bon mais faut le venir goûter pour le dire nous enfin essayer tous les deux crêpes pour dire nous ça gain plus bon goût. Mais certainement pas là, il n'y a pas bon parce qu'il ajoute un bon noir, il n'y a pas là que je vais mettre dans le crêpe. Alors, crêpe là, ou qu'à ajouter sauvelet là-dedans, vous comprenez, ou qu'à garnir avec sauvelet. Ok, même ça me défait, c'était un jambon fromage. Donc, l'autre chef là, lui-même, il ajoute des oignons encore, poivron, et puis il ajoute piment, il ajoute sauce tomate, il ajoute ketchup, il ajoute l'autre fromage encore. On fromage à tartiner là-dedans, donc viens goûter pour venir dire son ressenti. Bien sûr. Maman, goûtez pas là avant. Un couteau. Hello tout le monde. Moi,
moi vinn goûter jodi a encore. En fait, ça fait plaisir moi gen moun ki wè pa la ki mande mwen. Oui, il y a des gens qui n'ont pas goûté, qui disent ou pas venu goûter ces derniers temps. Même des disent c'est parce qu'ils étaient tout pas de pain. Bon, je dis à mon résine quand même. Tête là toujours pas de pain. C'est bon. Ça, c'est pas chef principal là. C'est bon, normal. Mm-hmm. Ou qu'on achète ça à Epido? Ça c'est pas non, ça m'en fait. Bon, bien sûr, avec base chef là, parce que le chef là qui prépare pâte là et chef là qui prépare sauce béchamel là. Et lui prépare sauce pizza et seul poivron, oignon, etc. à ajouter. Voilà, bibou. Ah ben ok. Même si Noël t'a boumé, ou de vous faire, mais pas là, ce petit bibou, parce qu'elle mettait plus gars, tu n'as pas là. Vous bon? Bon, goûtez pour la moue. Goûtez pas, ouais. Pour un petit peu, non, pas là avant. Ça va me goûter pour la moue. C'est la différence, là. Pas même l'homme qui goûte bien déjà. C'est bon? Ensemble garniture, ajouter encore plus goût et puis piment ajouté, hein? Fait encore plus intéressant. Voilà. C'est ça les filles escomptées. Donc voilà. Donc nous ouais. Ok, parle, chef là, parle. Comme tout le monde. Goûteuse à papa, pas d'avance. Bon voilà. Quand la saute fait pas là, donc nous elle ajouté l'autre bagaille, ils font freestyle, l'improviser. L'autre ingrédient, l'autre garniture, et puis par là, sorti justement plus bon. Donc, ou libre, l'offre fait base là pour ajouter sauvle. Donc, en prochaine fois, on a fait une crêpe avec poulet, blanc de poulet. Bon, eh bien, quittez-nous là pour une vidéo pas trop longue. Songez à liker la vidéo, songez à abonner, si vous pouvez abonner, et puis invitez tout le monde qui connaît, venez abonner. À bientôt pour l'autre recette. Moi, je vais continuer à manger crêpe.